Cet épisode commence avec Azim, qui peaufine son plan pour faire venir Kerim à l'hôpital et demande à tout le monde de rentrer à la maison et leur dit que cela n'est pas nécessaire, qu'il reste sur place. Il demande ensuite à Essay de rentrer également et dit qu'elle ne doit pas rester debout pendant longtemps vu qu'elle attend un bébé. Et Fazilet leur demande où ils vont aller à présent. Yagi sort de l'hôpital et est en train de prendre de l'air. Neil, ainsi que Céline et Yasine, sortent de l'hôpital et s'en vont. Yasmine vient voir Gokhan et lui demande si elle doit rester à la résidence et partir lorsque la petite est endormie. Gokhan lui demande de rester sur sa place et elle s'en va. Fazilet est avec sa fille Essay et lui demande de ne plus regarder Yasine autant. Elle dit à sa fille qu'ils sont en train de partir à la villa tandis qu'elles n'ont nulle part où aller. Fazilet demande à Essay de venir avec elle et dit qu'elles doivent aller chez Azan. Essay dit qu'elle ne va pas chez Azan et dit qu'elle va se rendre à la résidence. Fazilet dit qu'elle ne savait pas qu'Essay avait un peu d'honneur et dit qu'elle veut maintenant rentrer à la résidence. Elle dit ensuite qu'elle ne va pas la laisser vivre à la résidence si celle-ci ne présente pas ses excuses à son mari et arrange ses problèmes avec lui. Essay refuse de l'écouter et demande au chauffeur de l'amener à la résidence et de déposer sa mère chez sa sœur. Fazilet refuse et va à la résidence avec elle. De son côté, Gokhan est en train d'observer son frère Yagi de loin. Dans l'hôpital, Sinan est toujours dans un état critique et Azim est en train de l'observer devant la vitre. Erdal vient le voir et lui dit qu'ils sont prêts et dit que cela sera difficile de mettre leur plan en œuvre si Yagi et Gokhan restent dans le coin. De son côté, Yagi sort la lettre d'Azan de sa poche et hésite une fois de plus à la lire. De son côté, Azan met la fleur offerte par Yagi dans un pot et y ajoute de la terre fertile. En soirée, Azim reçoit un coup de fil de Kerim et s'éloigne pour répondre. Il dit que ses fils sont là et dit qu'ils refusent de partir et de laisser leur frère tout seul. Kerim dit que cela n'est pas son problème et dit qu'ils vont finir par savoir que celui qu'ils sont en train de regarder n'est pas leur frère et finiront par partir. Azim lui demande de lui donner une heure et dit qu'un de ses hommes va l'appeler. Kerim lui demande de ne pas jouer avec elle et dit qu'elle est déjà en prison et n'a plus rien à gagner et le fait uniquement pour son fils. De l'autre côté, Fazilet est dans la chambre avec sa fille et lui dit que son mari n'a rien dit pour la résidence parce qu'il se soucie pour son fils. Essay se lève et lui demande de partir. Fazilet dit qu'elle ne va partir nulle part et dit qu'elle sera toujours dans ses oreilles à lui faire comprendre qu'elle ne devait plus s'en faire pour ce traître. Elle demande ensuite à Essay jusque ça quand elle va laisser que Yasmine la traite de la sorte. Essay dit qu'elle sait que quelque chose s'est passé et dit que Céline lui a sûrement fait quelque chose. Elle dit qu'elle ne part pas dans sa chambre pour l'arracher la tête parce que son frère va mal. Elle dit ensuite qu'une fois que Sinan va se sentir mieux, elle va forcer Céline à lui dire la vérité qu'il ne veut pas lui dire. Fazilet lui demande d'ouvrir les yeux et lui dit que son mari a été clair là-dessus et dit qu'elles ne seront plus à la résidence en ce moment-là et s'en va. De l'autre côté, Azim essaie de faire partir ses fils et leur dit que cela ne sert à rien, qu'ils restent tous à la fois et Gokhan lui demande pourquoi il veut les faire partir et dit qu'il est là pour son frère et dit qu'il ne va nulle part. Yagi dit qu'il ne compte pas partir à son tour et Gokhan sort prendre de l'air. De son côté, Azan est devant sa plante et l'arrose avec un peu d'eau. Puis elle se rappelle de l'instant où Yagi lui a offert cette fleur. Farah entre dans l'appartement et lui dit qu'elle ne va pas tourner autour du pot et lui demande quand va-t-elle partir. Azan lui dit qu'elle va aussi lui répondre de façon directe et lui dit qu'elle ne part nulle part.
Hasan demande ensuite à Farah si elle ne va pas lui faire le chantage avec l'enregistrement et Farah dit qu'elle est fatiguée et dit qu'elle doit prendre un bain et aller voir son copain. Hasan lui dit que Yaji n'est pas son copain et Farah est étonnée de l'entendre. De son côté, Azim vient voir son fils et lui demande de l'excuser pour ce qui s'est passé et dit qu'il a perdu son calme. Il dit qu'il le reprochait de n'avoir pas suivi son frère et le remercie de l'avoir ramené à la vie. Yaji lui dit qu'il n'a pas à s'excuser et dit qu'il s'est frappé lui-même plus durement que ce qu'il lui a infligé et s'en va. Pendant ce temps, Hasan demande à Farah pourquoi elle continue à jouer la comédie et lui dit que cela est ridicule. Farah lui dit qu'elle voit que quelque chose a changé. Hasan lui dit qu'elle aurait pu lui balancer en face ce qui a changé et lui dit qu'elle va se contenir et ne pas le faire. Elle dit ensuite qu'elle a compris qu'elle doit rester et se battre pour l'homme qu'elle aime car elle a compris qu'il est à bout de force à cause du traitement honteux qu'on lui inflige. Elle dit ensuite à Farah qu'elle peut rester là, mais elle va aller voir l'homme qu'elle aime à l'hôpital et s'en va. Une fois partie, Farah est triste et coule quelques larmes. De son côté, Yaji essaie de lire une fois de plus la lettre d'Hasan et la remet une fois de plus dans sa poche. Puis il se lève et se met à faire quelques pas. Gokhan est en train de l'observer à distance. De son côté, Azim dit à Erdal que ses fils ne veulent pas partir et Erdal lui demande comment ils vont faire. Azim lui dit que cela est risqué de chercher à l'arrêter et dit qu'ils vont faire comme elle a dit. Il dit ensuite que tout ce qui va se passer ce soir doit rester confidentiel et Erdal s'en va. Sevda est devant la porte et Nermin lui demande pourquoi elle est en train de faire la Virgile devant sa propre chambre et s'en va dans la sienne. À l'intérieur, Yasmine souhaite bonne nuit à sa fille et dit qu'elle a des choses à faire ce soir et dit qu'elle doit mettre un nouveau gros chèque dans leur poche. De son côté, Hasan est dans le taxi et reçoit un appel de sa mère et ne veut pas décrocher. Elle finit par le faire et sa mère lui demande où elle est en train de partir. Hasan lui dit qu'elles vont en discuter plus tard et s'en va. Une fois raccroché, Fazile dit qu'elle est en train de partir à l'hôpital et dit que ses filles vont la tuer et décide d'y aller à son tour. Elle tombe sur Yasmine et lui demande où elle est en train de partir. Yasmine lui dit qu'elle a quelque chose à faire et Fazile refuse de lui dire où elle va à son tour. Une fois dehors, Yasmine dit qu'elles sont en train de partir au même endroit mais ne prennent pas le même moyen de transport. De son côté, Esma est en train de pleurer et Yasmine lui dit que Céline est brisée car elle ne sait pas si son frère va mourir ou vivre. Elle dit qu'elle ne veut pas vivre dans cette villa et dit qu'il était également de son avis jusqu'à hier et lui demande ce qui a changé. Elle lui demande s'il est attaché à cette villa et Yasmine lui dit que cela est le cas et dit qu'il est attaché comme un animal et lui dit qu'elle va rester où il peut avoir un œil sur elle et s'en va. De son côté, Gokhan vient voir Yaji et celui-ci cache sa lettre. Gokhan lui dit qu'il n'a pas à le faire et dit qu'il a déjà lu. Il dit que la lettre est tombée de sa veste et il l'a lu. Gokhan dit à son frère qu'il va lui poser la question une seule fois et lui demande s'il y a quelque chose entre Hasan et lui. Yaji lui répond oui et lui dit qu'ils sont amoureux et dit qu'il n'avait jamais cru que cela pourrait l'arriver. Il déchire la lettre de Hasan et dit qu'il n'a pas pu la lire et dit qu'il ne sait pas ce qu'elle contenait et va tout faire pour refréner cet amour. Il dit ensuite qu'il regrette être tombé amoureux de la petite amie de son frère mais pas d'être amoureux d'Hasan. Gokhan se lève et est dépassé de ce qu'il vient d'entendre. Il dit à Yaji qu'ils n'ont pas parlé de cela et s'en va. Une fois parti, Hasan arrive et se présente devant Yaji. Erdal passe récupérer Kerim et lui donne une greffe et des vêtements et dit qu'elle devrait les porter avant d'entrer à l'hôpital. Pendant ce temps, Fazile et Yasmine sont en route pour l'hôpital. De son côté, Gokhan est en train de regarder son frère et Azim vient le voir et lui demande d'aller donner son sang. Gokhan dit qu'ils n'ont pas le même groupe sanguin et son père lui demande d'y aller quand même et dit que le médecin le demande. De son côté, Hasan vient voir Yaji et lui dit qu'elle est venue parce qu'elle avait envie d'être avec lui.
Yagi lui demande de regarder au sol et lui dit qu'il a déchiré sa lettre sans la lire, car ce qui est le plus important pour lui est l'homme qui est couché dans ce lit et veut s'en aller. Hasan dit qu'elle sait ce qu'il essaie de faire et le suit. Elle lui dit que le fait qu'elle ne soit pas partie est une victoire pour elle et dit qu'elle sait maintenant qu'elle est restée pour se battre. Elle dit qu'elle ne sait pas où leur relation va les amener, mais elle ne permettra plus que le reste des gens les traite de la sorte, comme la gifle qu'il a reçue aujourd'hui. Elle dit qu'il n'avait pas à lire cette lettre, car il sait déjà ce qui était écrit dessus. Elle dit qu'elle sait que son frère est important pour lui, et dit qu'elle n'est pas restée pour qu'il ne le soit plus. Et dit qu'elle ne permettra plus qu'il soit pollué de la sorte, et dit qu'elle est désormais là pour qu'il se sente bien. Une infirmière vient le voir, et lui dit qu'il doit venir avec elle donner de son sang, et dit qu'il aimerait être préparé, si son frère a besoin plus tard d'une transplantation, et Yagi s'en va. Une autre infirmière vient voir Hazim, et lui dit que ses fils sont au laboratoire, et dit qu'elle n'est pas sûre que cela sera nécessaire, car Sinan n'aurait pas besoin d'une transplantation. Hazim lui dit qu'il a dit au docteur, d'être prêt au cas où, et lui demande combien de temps, ils vont mettre au laboratoire. Elle dit qu'ils vont faire 20 minutes, et il la remercie. Il appelle Erdal, et lui demande de venir avec Kerim. Kerim entre donc dans l'hôpital, Fazileh et Yasmine font pareil. Kerim arrive au niveau de Sinan, et est abattu de voir son fils de la sorte, et se met à pleurer. Hazim lui demande de se calmer, et de ne pas entrer, si elle tient à la vie de son fils. De son côté, Hasan aperçoit sa mère, et est étonné de la voir. Yasmine passe derrière eux, et se dirige vers la chambre de Sinan. Elle se sert de sa carte magnétique qu'elle a volée, pour avoir une bonne position, et voir ce qui se passe. Elle voit une femme qui est en train de regarder Sinan, se rend en fin de compte, qu'il s'agit de Kerim, qui a mis de faux cheveux, et se met à filmer. Kerim est en train de pleurer le fait qu'elle n'était pas avec son enfant, et Hazim ainsi qu'Erdal, surveille les entrées. Hasan demande à sa mère, ce qu'elle fait là, et Fazileh lui dit qu'elle est venue voir Hazim, et l'état de santé de son beau-fils. Hasan dit qu'elle sait très bien, pourquoi elle est là, et dit qu'elle ne peut pas l'empêcher de voir Yagi. Fazileh lui dit que cela n'est pas le temps de provoquer Hazim, et dit qu'il a divorcé de sa sœur, et elle risque de se retrouver dans la rue. Hasan dit qu'elle se soucie pour sa sœur, mais pour elle, ce mariage est bien fini. Fazileh lui dit qu'elle est devenue courageuse, et demande ce qui a pu bien changer en elle. Fazileh demande également à sa fille, si elle aura le courage, d'arrêter la main de Yagi, en présence de Sinan, lorsqu'il se réveillera. C'est déjà terminé pour cet épisode, de votre série préférée, Madame Fazileh et ses filles. Abonnez-vous, et likez la vidéo, si cela vous a plu, et à bientôt sur Honnête TV, pour un nouvel épisode.